Ici David Dernay, je suis avec Philippe Dano et on va faire à bâton rompu. Phil, je te laisse commencer. Good. Good, good, good. Nomme une chose de moi qui t'agace. Ta moustache. Puis tes right cheveux away. Présentement. Good, merci. Est-ce que je suis sous-évalué ou surévalué? Toi, je te dirais que en ce moment, je te dirais que t'es sous-évalué. OK. Pourquoi? Un petit gabarit, mais très fort puis des skills incroyables. OK, merci. Oh. Fais une imitation de moi. Ben voyons donc. Tough one. Yeah, I'll have the chief assorted. Qu'est-ce que je pourrais faire? Nah, I think it's a good one. I think it's good enough. Ouais? Yeah. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as pensé de moi à la première fois qu'on s'est rencontrés? C'est quand même des questions drôles, ça. Première fois qu'on s'est rencontrés, je dis, hey, lui, il est soft. Mais non, j'ai dit... Ah, mais tu t'en souviens-tu pour vrai? Ben, la fois je t'ai vu. Moi, je m'en souviens. C'était où? Tu t'étais fait rappeler, puis c'était après la game. Tu étais arrivé pour la game, puis moi, j'étais blessé, puis après la game, j'étais allé te voir, j'avais dit... T'es venu à Montréal. J'étais venu... Moi, je m'avais dit, crème, David Dernay vient me voir. Ça t'avais dit? Ça, ben oui, c'est, ouais, c'est tout ça. Jeune. Après la game, je me souviens que j'allais voir, j'allais dire, bienvenue à Montréal. C'est vrai, tu me rappelles des bons moments. Ouais. J'étais bien content, je trippais. Ouais, moi aussi, j'étais content pour toi. Est-ce que tu envisagerais de nommer ton fils Philippe? Non. Ben voyons. Mais parce que je te connais. Okay. Mais non. C'est que Philippe, c'est des noms. Ouais, je suis pas sûr de ça. Ils ont des grosses moustaches, en tout cas. Mais non, j'appellerai pas mon gars Philippe. Moi non plus, pas David. OK. Qui gagnerait si on s'affrontait en fusillade? Ouf, c'est toi. C'est ouais, sûr. Merci. Je suis d'accord avec ça. C'est sûr. Tes stats en fusillade? 0-0. Ah, t'es jamais allé? Non. Puis junior? Junior, ah, je dirais, je suis allé 2-3 fois. 1-3 peut-être. 1-3. Je prendrais les meilleurs. Oh, ça c'est bon. Lequel de nous deux aura la plus belle chevelure dans 30 ans? Oh boy. J'ai pas vu ton père encore. Mais ses cheveux, mon homme. Il a tous ses cheveux? Ouais. Bon, je pense que ça va être toi. Parce que moi, mon père et mon frère, ils ont plus de cheveux. Ton père plus de cheveux? Ouais. Mon ouais. frère non plus, mais j'ai plus de cheveux que mon père et mon frère à même âge. Ouais. Qu'eux autres. Sauf que je pense que t'es moins stressé que à partir de 30 ans, pas sûr. Mais non, à partir de 30 ans, I'm going down. Ah ouais. Ben, je pense que t'as une belle chevelure. Je pense que j'ai une bonne. Ouais, regarde. Ça s'en va. Ça s'en va. T'as 30 ans? Ouais, 30. Ça s'en va en dégradant. Bon. Fait que, toi. Que me vois-tu faire dans ma vie une fois que j'aurai accroché mes patins? Mon défi. Tu t'en vas jouer au golf professionnel, toi. Tu t'en vas sur le golf course. On va te voir à PGA Tour, c'est sûr. Non. À PGA... Non, de vrai, c'est vrai. C'est sûr que tu vas jouer au golf énormément, ça, c'est sûr. Puis, moi, je suis un moyen. Ouais. Tu vas être très bon dans le style. Tu vas aimer le style. Tu vas faire quelque chose dans le style. Dans le style? Ouais. De vêtements? De vêtements. De okay. vêtements. Tu vas aimer ça. Peut-être. Puis, agent de joueur, je suis pas sûr. T'sais, c'est comme une branche trop facile pour les joueurs. Ça? Agent de joueur. Agent de joueur? C'est une branche facile d'accéder après ouais. la carrière. Si tu veux une job cool, d'après moi. OK, peut-être. Ah, c'est des bonnes options, merci. Le style, je pense. Regardez ça.
Quelle devrait être ma devise? Quelle devrait être ma devise? Oh, c'est bon, c'est sage. Moi, pour toi, d'être à Montréal à 23 ans comme ça, d'être chanceux de même, c'est un jour à la fois, puis profite du moment. Vraiment, t'es chanceux, je retournerai à ton âge, puis je profiterai de tout ce que... T'étais-tu à 23 dans le chat? Non. 23... Je suis arrivé à 24. J'avais joué mes premières games à 23, mais pas... Fait que profite de chaque moment, puis... moment présent à Montréal, mon gars. Thanks, mon baby. All right. Last question. Comment décrirais-tu mon style? Oh, on vient de parler. Style... un solide style, là. C'est... T'es game de porter des choses, genre, que le monde pourrait pas porter. Entre autres, ton veston brun. Ah ouais? Ouais. Pas tout le monde portait ça, là. Non, t'es dit la trompe, la première fois que j'ai vu ça. Ouais, mais là, ça, c'est... C'est un style, là. Ben, c'est un style, mais c'est pour mes yeux aussi, mais... Ouais, mais quand même. OK. Moi, mettons, j'aurais des lunettes, je peux pas avoir. Ça, non? T'es game de porter un style. T'as un style unique, en fait. Osé. Ouais, pour avoir un style différent. C'est un style unique, c'est pour ça que tu vas partir de ton affaire. Faut que tu sois capable de le porter, là. Ouais, faut que tu sois... écœuré un peu, faut que tu sois correct avec ça aussi, ouais, tu sais. Ouais. J'accepte les... C'est vrai. Mais moi, je suis bien. Bon, il y en a plus, mon filou. Bravo. C'est mon avis. Bravo.